Samedi, écoute, il est 10h20, puis avant ça, j'aurais pas pu parler, c'est le chaos total. Quand les enfants sont pas de, ils ont pas d'école, c'est le chaos total. Les gars se sont levés vers 6h15 ce matin, que j'ai commencé à entendre crier. Fait que peut-être qu'ils étaient réveillés avant, mais en tout cas, je les ai couchés sur le divan, là. Je colle les deux divans là, ensemble. Je les ai d'ailleurs remis en angle. J'ai fait un peu de ménage, lavage, ma vaisselle. Je les ai envoyés jouer dehors déjà. Ensuite de ça, là, je vais commencer. Je voulais faire une recette spéciale de Noël. Puis, j'ai vraiment hâte. Je vais faire un modèle mini parce que je vais faire le gros modèle à Noël. Puis, pour ça, j'avais besoin de cônes de comme ça. Fait que je sais pas si tu me vois venir, mais fait que je vais faire un cône avec des truffes, là. Ben pas des vraies truffes, là, mais tu sais, je vais utiliser le nouveau brownies fondant, qui est vraiment super bon. Et les chocolats que j'ai achetés cette semaine chez Michael's pour les enrober. Donc, blanc et rouge avec les petits bonbons de Noël. Fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Ça me tente. J'aime ça cuisiner la fin de semaine. Puis, c'est ça le brownie. Dans le fond, je vais le faire au micro-ondes. 4 minutes au micro-ondes, c'est vraiment pas long. Pour vrai, c'est fou. Puis pour ça, j'utilise ma petite étuveuse carrée comme ceci. Donc, on va prendre ça. Dans le fond, avant, on avait le brownie divin au chocolat. Mais il fallait vraiment le pimper énormément. Genre, ça n'avait plus de bon sens de pimper. Pour que ça goûte bon, en fond, parce que c'était vraiment bon quand il était vraiment pimpé. Là, ils ont refait le brownies et il est maintenant délicieux, aussi bon que le gâteau de fête. Sérieux, le gâteau de fête, il est vraiment, vraiment bon. Ça se mettrait très bien avec du Oreo ou même une base de Born Animal, genre. Fait que j'ai plein d'idées, plein d'idées avec ça. Récemment, si tu peux voir sur mon Instagram, j'ai fait, avec le gâteau de fête, j'ai fait un gâteau roulé style biologue. C'était fou, là. Puis j'ai le goût de faire avec le brownies un genre de gâteau roulé. On l'a dit hier. Oui, on l'a dit hier, mon maman. On va manger des affaires d'armée. Oui, on l'a dit hier. On l'a dit hier soir. Oui. Fait que c'est ça. Fait que je vais faire ça tranquillos. En essayant que c'est pas trop le chaos. Tu vas faire un gâteau pour qui? Pour nous. Dans le fond, pour le mélange, c'est vraiment pas compliqué. On a besoin d'une demi-tasse de beurre fondu, du lait, le mélange et deux œufs. C'est tout. Donc, c'est vraiment pas compliqué. On va commencer. Marcus! On va commencer par faire fondre le beurre. Je vais faire fondre directement dans mon étuveuse. Je te dirais que c'est un mélange que tu peux facilement mettre des protéines dedans. Là, j'en ai plus au chocolat, mais c'est sûr que c'est très, très, très faisable. Sur la recette, il suggère d'ajouter des pépites de chocolat. Je vais en ajouter, évidemment. Ce matin aussi, j'ai fait un peu de suivi client.
L'ancien brownies était fait avec de la farine de pois chiche. Là, maintenant, il est fait avec de la farine de riz. Donc, ça change vraiment le goût. Tu ne jurerais jamais que c'est fait avec, que c'est sans gluten. C'est ça. C'est vraiment, vraiment parfait pour les personnes qui sont cœliaques, les enfants cœliaques. Ça rend la chose beaucoup plus normale. Tout le monde peut en manger, tout le monde va l'aimer surtout. Puis on mélange ça. Tu peux le faire au four aussi, il n'y a pas de problème. Mais il est bon au micro-ondes en 4 minutes. Fait que je vois pas pourquoi je ne le ferais pas au micro-ondes. Là, ça dit, dans le fond, le lait, là, il donne la suggestion pour le micro-ondes, c'est un quart de tasse. Et pour le four, c'est 2 cuillères à table. Et on ajoute à ça une cuillère à thé de vanille. Tu peux mettre le lait de ton choix. Là, j'ai du vrai lait, fait que je vais mettre du vrai lait. Tu pourrais mettre un autre essence aussi, si tu veux. L'essence de vanille, ça va venir rajouter un petit peu de sucré, de goût sucré. La texture est vraiment super bonne. Et là, on peut ajouter des noix, des pépites, au goût, du coconut. Mmh. Voilà. Regarde ça, la belle texture, genre. Vraiment crémeux. C'est super beau. Donc, voilà. Et dans le fond, c'est 4 minutes au micro-ondes. Et après ça, on le laisse reposer 6 minutes. Puis là, une fois que ça va être reposé, tu peux ajouter comme du crémage au chocolat dedans pour que les boules se fassent là, facilement. Tu sais, là. Sérieux, la texture est vraiment belle. Là. Méchante belle texture. Au micro-ondes, 4 minutes à découvert comme ça ici. C'est important de ne pas trop cuire. Important. Sinon, ça ne fera pas bon.
J'ai pas résisté. J'ai goûté. C'est délicieux. C'est l'heure de l'activité militaire. Dans la peur, je pense, elle n'aime pas ça. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, t'as pas de gants, Marcus. Va te mettre des gants. Continuez! Va t'en mettre. Est-ce que quelque chose peut vous arrêter? Oui. Va te mettre des gants. Maman! Hein? Est-ce qu'on peut mettre l'écorce avant les vendre? Non, ben, c'est Elliot qui va le faire, mais elle amène l'écorce pareil. Où? À côté d'Elliot. Non, c'est... On fait tout à la même place, non, maman. Non, on fera pas plusieurs feux, c'est dangereux. OK? Hey, on en fait un ensemble. Ah oui. Ah oh oui. C'est l'écorce le meilleur, hein? Vous commencer, là, après ça, ben, les petites branches. Des petites branches. Mets des petites branches. On va aller trouver plus de petites branches, les gars. Non, attention, Marcus. Pas, attendez. Il avait démouillé. Oh. Non, c'est pas grave. Je tasse-le. Tant mieux. Okay. On a les rations. Faut trouver le kit. Ça sent pas de brûler. Si, maman. Attendez un peu. On va aller chercher des petites barres. Les gars sont encore dehors. Là, je suis venue à l'intérieur faire chauffer les rashing packs. Parce que clairement qu'on ne sera jamais capable de manger ça. Sur le petit peu des autres. Oh my god. Fait que c'est ça. J'en intéresse là avec eux autres. Fait que là, je m'en viens faire cuire ça. Puis en plus, ça donne bien. J'ai plus de batterie sur mon sel. J'ai hâte d'avoir ça. Les rashing packs. Voyons voir. Qu'est-ce que ça contient, cette affaire? Donc, on a ici les pommes de terre à la normande avec jambon. Ouvrons ça. OK. C'est vraiment spécial. Pain hamburger. OK. Des petits tic-tac. Cute. Sac pour boisson. OK. Tabarouette, hein? C'est quand même complet. Tabasco. Des allumettes. Pratique. Des serviettes comprimées. T'as juste besoin d'ajouter de l'eau. Mélange tropical. Ça doit être des... OK, ça c'est des amandes, des noix, etc., etc. Il y a un beau petit Nescafé crémeux et sucré. La confiture de framboise. Du gruau raisin sec et épices. Boisson pour sportif. Ajoutez le contenu au sac de boisson et mélangez avec de l'eau. Deux boissons sportives. Le pain hamburger. Ça, c'est les pommes en tranches. OK. Et ça, c'est les pommes de terre normandes avec jambon. C'est un dessert, ça. On va l'ouvrir. Puis c'est, j'imagine qu'en l'ouvrant, on va voir qu'est-ce que ça contient. J'ai jamais vu ça pour vrai. J'ai jamais fait ça. OK. Fait que c'est ça, les instructions sont dessus. Ça a l'air bon. Le plus, c'est que ça doit être bon. Parce que nous autres, on a mangé et c'était quand même pas pire. Mange! T'en veux pas? Qu'est-ce que c'est? Tu sais quoi? Du jambon avec des patates. Du jambon avec des patates? Moi, c'est lequel que j'avais?
Genre meatball, green, black bean, puis... Envoyez, vous êtes dans la survie, là. Vous êtes obligés de manger ça. C'est du fromage, j'ai tout du fromage. Non, il n'y a aucun fromage. C'est bon, Oscar? Ça, c'est un vrai gars de l'armée, ça. Puis, Elliot, tu es bon? Je vais vous faire le dessert. OK, je vais leur faire leur boisson. Ça sent bon. Attends, je vous apporte votre boisson, là. On est rendu au dessert. Donc, on a du pudding à la vanille. Hein, un beau pudding avec du gruau. Hein? On l'avait fait tantôt, on va leur faire chauffer un peu. Ensuite de ça, on a des pommes. Jamais. Achetez jamais ça, c'est trop dégueulasse. Achetez jamais ça. Vraiment, achetez jamais ça, c'est tellement... Achetez jamais ça. Maman cuisine bien. Touche pas ça. C'est quoi ça, hein? Pudding, touche pas. Pudding? Oh oui, oh, oh, oh. C'est bon, par exemple. Et des morceaux de pommes. On en voit ça. On gronde. Qui veut du dessert? Je vous mets tout ce qu'il y a. Une barre d'énergie. J'étais en train d'oublier. Ça a été super tranquille, là, la soir. J'en ai allé s'entraîner, mais les garçons étaient survoltés pour vrai. Fait que là, on s'est installé sur le divan. Les garçons écoutent la TV. On est comme en monde. Ben là, Oscar fait de dos. Philibert fait de dos. Fini, là. Genre. Marcio, il est là. Fait que c'est ça. J'ai m'installé un peu. Jonathan écoute le UFC en haut. J'ai dit ça mourir. Fait que c'est bien tranquille. Ça a été une belle journée quand même. Puis j'ai même pas fait de souper, genre. J'ai pas cuisiné de souper. Elliot s'est fait une pizza avec son ami. Philibert voulait manger des rouleaux de printemps. Fait que j'ai fait des petits rouleaux. Pas des rouleaux de printemps, des petits rouleaux impériaux. Fait que j'ai fait ça. Oscar en a mangé. Marcus en a mangé. Fait que c'est ça. Ça a été bien un samedi soir, bien tranquille. T'as pas mangé? Non, c'est quoi t'as mangé, toi? T'avais pas faim? Non, j'avais rien. J'avais pas faim. Fait que non, c'était pas faim. Fait que tout dans ce temps-là, ça me donne pas grand-chose de faire à manger. Je voulais faire mon beau riz espagnol, mais je vais le faire demain, finalement. Fait que voilà, je te dis un beau belle soirée, pour une belle fin de journée, belle journée, peu importe. Et puis on va se reparler demain pour la journée de dimanche. Bye!